Bonjour tout le monde. On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture. Ok, maman camion, c'est parti. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche. Qu'est-ce qu'on va faire? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas? J'arrive! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion? Où peuvent-ils être? Je vais peut-être regarder par ici. Ah! Je vous ai trouvé! Maintenant, à mon tour de me cacher! À la prochaine! Au revoir! Ah, ouf! Dieu merci, la pluie s'est arrêtée! Maintenant, on peut commencer notre pique-nique! Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut Kat, je suis Gecko et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous? Oh! Est-ce que vous avez des sandwichs au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Oh! J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Selena! Il faut sauver quelqu'un! Oh! Ça ne va pas marcher! Oh! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Je n'arrive pas à l'attraper. Gecko, utilise le parapluie. Ah ah. Oh. 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 Ouf. C'était moins une. Ah, et voilà, Tilly. On forme une bonne équipe, Gecko. C'est vrai. Merci pour ton aide, Kat. Wow! Un nid de poule. Je vais demander à Dylan le camion à Ben et à Eric la pelleteuse de le combler. Oh mince! On dirait que Bobby le bus a des ennuis. Nom d'un chien! Il a eu un accident! Sortons-le de là, Tilly! Ne t'inquiète pas, Bobby! On va te réparer et te remettre sur la route! Porte du garage, ouvrez vite!
c'est le moment d'aider un véhicule dans le besoin. Maintenant, il faut trouver ce qui ne va pas, Bobby. D'abord, on va vérifier tes yeux. Allez, les mécaniciens! Tu n'as aucun problème avec tes yeux, alors. Vérifions tes roues. Pas de problème avec tes roues non plus. J'ai trouvé le problème. Tu as un essieu tordu. Ne t'inquiète pas, on va vite le redresser. Plus de zigzags pour toi. Ton essieu est maintenant comme neuf. Je suis content qu'on ait pu remettre Bobby sur pied. C'est si bon d'aider un ami. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh, tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Vert, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette. Oh, Vert, tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. C'est mieux? Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry. Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu, il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Tout va bien? Hein? C'était quoi ce bruit? Thank you.
C'est bon. Je me sens mieux maintenant. Ah. Hein? On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde. Super costume d'Halloween, les mécaniciens. Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens. Je dois finir la vidange de bébé camion. Allez-y, je vous retrouverai. Farce ou friandise. Bah, vous n'aurez pas de bonbons à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolée, les mécaniciens. Attendez, qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah! C'est une bonne idée! Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux! Laissez-moi tranquille, je ne veux pas... Hein? Ah! Jouer, bébé camion. Il a eu une sacrée peur d'Halloween. Joyeux Halloween. Salut tout le monde. Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez, les mécaniciens. Je suis encore en haut. Bobby! Bobby! Oh mince, il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Oh, regarde, un pont haut. Bonne idée, les mécaniciens. Il faut juste que j'attrape l'échelle. Oh, raté. Et maintenant quoi? Oh. Wow. Bien joué, Jaune. Tu as sauvé la journée. C'est bon, Bobby. Tu ne savais pas. Et personne n'a été blessé. Merci pour votre aide, les mécaniciens. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir. Voici Kat qui arrive. Oh. Hola, Gecko. Hola, les mécaniciens. Salut, Kat. Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Oh. Oh. Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelote, Sly. Ah, plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre.
mais pas de la camelote. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko. Disons que je vise haut. Au travail, les amis. Aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Allez, allez, les mécaniciens. Il est temps de voler haut dans le ciel. Beau, tout propre, après avoir touché cette horrible camelote. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. On forme une sacrée équipe, sur Terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat, c'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens. Je pense que le garage est peut-être hanté. Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous. Au revoir. Bonjour tout le monde, c'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention, Fiona! Ne roule pas sur le... sable mouillé! Vite! La marée monte! Oh! On va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert. Je sais que tu aimes tes ballons. Mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non!
fait ça. Allez, allez les mécaniciens. Bon travail les mécaniciens. Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête. On est content que vous soyez venus. C'est super d'avoir partagé les verres. Et joyeux anniversaire. Hurrah! Oh, c'était une sacrée tempête. C'est bon de revoir le soleil. Oh là là! Venez, on va vous nettoyer dans notre station de lavage. Tu appelles ça du lavage de voiture? Tu ne fais pas le poids face au lave-auto Weasel. Je peux nettoyer n'importe quel véhicule mieux que toi. Tu es prêt à relever le défi, Gecko? Bien sûr! Ça peut être amusant. Je propose que nous on prenne Fiona et que toi tu prennes Bobby. Oh. Prêt les mécaniciens? Prêt à commencer, Fiona? Vous, Monsieur Weasel. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance pour nettoyer cette boue. Entre, Bilby. Plus de puissance, je pense. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller. Non, 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 espèce de machine stupide. Ne t'inquiète pas, Bobby. Viens ici et on fera de notre mieux pour te nettoyer. Propre et sec. Oh. Venez donc, Monsieur Weasel. On va vous sécher. Non, merci. Beau travail, les mécaniciens. Maintenant, tout le monde est beau et propre. Même Monsieur Weasel. C'est le camion à Ben Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta Ben Dylan? Allez, les mécaniciens. Je vois. Ton camion à Ben continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider. Pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Oh. Hein?
Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh! C'est donc toi qui as rebranché le câble. Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan. Fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups! Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre Bébé Camion, quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Bébé Camion. Tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, Bébé Camion. Oh, merci, Maman Recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey. Oh. C'est un sacré coup de tournevis. Comment ça, de ma faute? Oh, ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh. Ah!
Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Aha! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah! Hurrah! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir. Ta la la ta ti do. Bon travail les mécaniciens. Hein, nom d'un tournevis. On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez, c'est Max le Monster Truck et sa petite sœur Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour Max, bonjour Molly. Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh! Pas si vite! Oh! Ah, oh, des écrous et des boulons, j'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail les mécaniciens. Ah, tout le monde s'amuse enfin. Bonjour à tous. On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trevor. Vert, peux-tu me passer le... Vert? 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 Où es-tu? Oh. Oh. Vert est en train d'arroser son arbre préféré. Oh oh oh! Hors de mon chemin, Minus! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe. Et cet arbre est sur mon chemin. On dégage les poubelles.
cet arbre est de l'histoire ancienne. Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de Vert. Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide. Parce que... Les pommes. Ça me donne une idée. Trevor. Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, Monsieur Weasel? L'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux! Je suis fière de toi, Vert. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo! Et voilà, Eric. Ça va mieux maintenant? Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck. Il ne devrait pas jouer ici. Les chantiers sont dangereux. Regarde le désordre qu'il provoque. Non, Max est en panne de carburant. Il faut le sortir avant que le béton ne sèche. Vite, les mécaniciens, allez chercher le carburant de secours. Oh mon Dieu, ce béton sera dur dans moins d'une minute. Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Eric a fait un pont. Le béton est presque dur. Allez, Max, allez. On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez. Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut, bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles.
Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir. Fiona, camion de pompier. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir.